Courage, rigueur, travail, consistance ont rythmé leur parcours intellect. Après un dur labeur à la quête du savoir, les voici couronnés de succès. En fin de cycle, ils sont au total 560 étudiants de l'Institut africain de management IAM, prêts à servir la nation. C'est un sentiment de joie, de prospérité et puis vraiment de fierté. Et en cette année 2018, de la structure de promotion de l'IAM, vraiment, je suis content. IAM, c'est une très très bonne école, une école de référence. Apprendre pour entreprendre. L'IAM, c'est 10 ans au service de la formation de l'élite, burkinabé d'ailleurs. À ce jour, l'Institut a mis sur le marché de l'emploi plus de 9000 diplômés compétents. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de participer à cette cérémonie qui marque des années d'études, de dur labeur. Et surtout, ça me permet de mettre sur le marché du travail 560 jeunes compétents prêts à l'emploi. Donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour eux. Cette sortie de promotion a connu également la présence d'un parterre d'autorité venu rehausser l'éclat de la cérémonie. Et ces compétences-là devraient contribuer significativement au développement de la population. Je voudrais justement profiter de cette tribune en tant que patron de la cérémonie pour féliciter donc tout le groupe IAM qui a travaillé à mettre à la disposition du continent africain donc ces ressources humaines de qualité. Et aussi et surtout pour l'apport que le privé apporte aux côtés du gouvernement pour le développement de l'enseignement supérieur donc, de qualité. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'une bonne partie donc, de nos étudiants, des titulaires du baccalauréat s'orientent dans le privé. Et donc c'est quelque chose à encourager. Et nous devons être à leur côté pour les accompagner à être dans la qualité de façon à ce que l'enseignement supérieur puisse être performant. Et pour une meilleure insertion socio-professionnelle de ces impétrants, l'Institut africain de management met à leur disposition un fonds de soutien à l'entrepreneuriat à hauteur de 100 millions de francs CFA. Créé en 2007, l'IAM a à son actif 17 diplômes reconnus par le CAMES.